pas où ici. Coupe ta musique. Ouais, ouais, hein, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Un truc cool peint par un peintre chelou. T'as vu ce qu'il fait avec les fruits et les légumes? T'as trop un cure d'artichaut, toi. Ça me donne faim, ça. Allez, viens, on va manger un burger en ville. T'es bête comme chou, tu t'intéresses à rien. On va encore manger des fruits et des légumes blindés de produits. Franchement, arrête tes salades, ramène ta fraise, je vais te faire montrer c'est quoi des vrais fruits et légumes. Ah bon, non mais wesh là! Non mais allez, viens, on est arrivé, c'est bon. Kevin, Emmanuel Louis, nous sommes en première bac pro horticulture au lycée Olivier Guichard. Et si vous voulez bien, nous allons vous poser quelques questions sur le maraîchage bio. Ouais, bah d'accord. Alors vous êtes sur la ferme de l'Evera. On est sur une exploitation maraîchère bio de 25 hectares. On est situé à la Madeleine, à peu près 8-9 km de Guérande, hein, au bord des étangs de Sandin. Voilà, on fait différents produits, donc on travaille sur 40 produits différents. Alors ça part l'hiver du chou, les radis, la salade, épinards, la mâche. L'été, on est plus sur de la tomate, du concombre, melon, haricot. Pourquoi avez-vous choisi le bio? Ah, pourquoi j'ai choisi le bio? Eh ben, j'ai choisi le bio parce que je voulais arrêter de faire conventionnel. Je voulais faire des produits sains, sans pesticides. Tu es bio, est-ce que c'est rentable? Parce qu'on entend parler souvent que bio, ce n'est pas rentable. Mais si, c'est rentable. Aujourd'hui, c'est rentable. Avec les techniques qu'on a, c'est plus le bio il y a 40 ans. Aujourd'hui, ça s'est énormément modernisé. Donc, on est beaucoup mécanisé. On a des variétés qui ont été travaillées qui sont beaucoup plus faciles à faire. Donc oui, aujourd'hui, la bio est rentable. À partir du moment qu'on le fait sérieusement, c'est rentable. D'accord. Et vous conseillez comment à des jeunes comme nous de cultiver bio? Ah oui, c'est l'avenir aujourd'hui. Si nous, on arrive à la retraite, donc il faut que les jeunes s'installent. Et c'est un métier à choisir. Aujourd'hui, on manque d'exploitation bio. On n'arrive pas à fournir tout ce qu'on devrait fournir. Aujourd'hui, il manque énormément de produits. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'installent et c'est dommage. Mais oui, on encourage les jeunes aujourd'hui à s'installer. D'accord, bah, merci pour vos réponses. Alors, ça t'a plu? Ouais, bon, enfin, c'est limite. C'est trop bien. Ouais. Ah. Mais non! Je me suis pris une prune! T'inquiète, maraîcher bio, t'auras de l'oseille.